Fabrice Show. Fabrice. 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 T'abuses. C'était à l'envers, je comprenais pas. Un chocolat à croquer pétillant en forme de Père Noël. J'avais une idée pour le 18. Du coup, faut que je le fasse maintenant pendant qu'elle voit pas. Voilà. C'est bon. Merci. Le 18. Il y a un papier. Une tarte aux pommes apple pie faite avec amour. Oh oui! Quand? Bah, faut acheter à Géant. Oh oui! Je fais ça cet après. Ça va être bon. Petit atelier matinal. Je suis en train d'installer des étagères dans le garage pour pouvoir stocker du matériel. Parce que là, il y a plein de matériel partout. Regardez. Il y en a partout. Et voilà! Let's go pour faire l'étagère. Et de une, j'ai mis plein de chevilles mollies parce qu'il va y avoir du poids. Et voilà, on continue. Et de deux, maintenant il reste plus qu'à mettre le matos dessus. Que l'amour, que l'amour. Lorraine vient en renfort logistique. Bah, le truc c'est que je pense qu'il faut aussi mettre assez bas les trucs qu'on prend souvent. Oui. Genre ça, par exemple. La vidéo. Tête. Je peux sauter dessus? Non. Il y a un sacré packaging. Wouah. L'arrosoir de luxe quoi. Oh le bordel qu'on a mis par terre. It's beginning to look a lot like Christmas. Clackity 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 clack. Fabrice. T'abuses. De quoi? Il est sûr de quoi en plus? Il croit pas. Tous les coups sont permis. Bon. Il est où le moule à tarte? Quoi? Il est où le moule à gâteau? It's beginning to look a lot like Christmas. Viens, tu vas, Bibel. C'est ce que je dis. Oh. Bonjour. Allez, viens écouter. Mais attends, j'ai eu mon babybel. Oui. Par contre, on est bien mouillé dans un mot comme ça. Bah, bon. Pardon, on va rester. On faisait ça. Hop. Mais là. On en fera pas. Hop. C'est doux. Pas comment faire. On écoute. It's beginning to look a lot like Christmas. On écoute. It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. On peut écouter? Ouais. C'est qui? Always I'm the same.
Wavy et Lost Signal. Voilà. C'est bien. Eh ben c'est bien. C'est fini. C'est bien, elle arrive trop tard quand c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand même. Ah. Il faut aller. Bah j'exporte. Tu fais quoi? Je t'attends. Mais je suis pas prêt, hein. Ah, je viens pas. J'exporte. Bon, tant pis alors. Tant pis quoi? Je viendrai un autre jour. Mais non, c'est moi qui viens après. Bah oui. Miam miam miam. On est en train de bosser sur la vidéo de A2. Il faut d'abord que je cale le son sur la vidéo bien comme il faut. On se l'écoute. Mets l'assiette et je retourne. Ah oui. J'ai pas envie de la casser. Pose-la. Non, tu vas faire quoi là? Pose-la d'un bord. Mais ça va casser. Ça va surtout pas rentrer ici. Si. 1, 2. Le geste parfait. Ça va. Oh oui. Oh oui. On remet sur la planche. Bah oui. C'est bon. Oui. Je me mets près du sol au cas où elle tombe. Comme ça elle tombera pas de haut. Et voilà. Oh, c'est beau. Tintintintin. On peut la mettre en magasin, quoi. Je la vendrai cher. Je la vendrai pas, surtout. Non. Voilà, ça rentrait pas dans son calendrier de l'Avent. Trop bon. C'est top. Tournage de Il pleut jour 3. Mais je filme et toi, t'es perdu. Et le temps est nettement plus menaçant aujourd'hui. Normalement, il pleut. Je dis plus qu'il pleut parce qu'on sait jamais. Et là, je suis en train de préparer les 6 petits sacs pour les 6 plans qu'on doit tourner. Là, je suis en train de remplir. Ça fait quoi, toi? Je suis en train de programmer la publication de A2. Ça va être chouette. Tu veux qu'on mette quoi demain? Ouais. À quelle heure? 18. C'est bon. Voilà, on est arrivé sur le spot. T'avais prévu de prendre ta serviette bleue? Armor Luxe, mais du coup j'ai celle-là, ça le fait quand même? Oh oui. Ah, ça fait bien, oui, ça fait bien touriste. C'est ma serviette de plage normalement, mais j'avais prévu pour nous sécher plutôt et je voulais prendre l'autre mais je l'ai oublié. Et là on est sous notre petit Barnum. Oui. Et là il pleut encore? Parce que je voulais montrer le Barnum mais je peux pas sortir comme ça va mouiller sous l'appareil. Voilà, on se met en place tranquille. T'es debout facile? Oui. Pas moi. Mais si, je pense que tu te... Je me cogne, moi. Non, mets-toi là. Ah oui. Bah oui. Ouais, mais sauf quand on se lève, on voit rien, quoi. Du coup, ça va être ça, le spot pour filmer. N'est-ce pas magnifique? Avec les petites barques de couleurs, les petits rochers jolis, le petit arbre au fond, le ciel tout gris, tout plein de pluie. Ça va être drôle. T'as essayé, pas sur la serviette, mais à côté, parce que ça donne... Non, non, j'ai envie de garder l'eau. Oui, non, t'as raison, garde l'eau. Pour la peine d'aller refaire de l'eau. Refaire de l'eau. J'adore cette expression. Faire de l'essence, faire de l'eau. Prends à cette distance-là, ça se verra pas. Ça, ok. Oh la vache, il y a une humidité, mais ouais. C'est juste un truc de ouf. Allez, c'est bon pour nous. Regardez qui c'est qui a les meilleures idées du monde. Alors là, tu peux pas m'engueuler en plus. Pour le coup, là, je me marre bien parce que c'est pas mon idée. Vaut mieux que tu te sèches quand tu auras fini. Oui, ça sert à rien. Ouais. Le bruit, quoi. Quand je suis ready. En vrai, on voit quand même la pluie et tout, tu la... Enfin, en vrai, on la voit bien. Hein. Ah oui. Ouais, non, c'est nickel. Oui, on voit bien, ça coule du bob de tous les côtés. Ouais, ça coule dans tous les sens. De toute façon, c'est qu'un bout, enfin, c'est par contre. Ouais, c'est des petits bouts, donc, ouais. Donc ça, c'est nickel. Ouais, ça marche, ça. Hein. Donc on a fini pour le linge. On peut faire l'ouverture de parapluie. Mon dernier plan, c'est l'ouverture de parapluie. Ok. Et après, je ne me mouille plus jamais. Après, c'est moi. Ça y est, j'ai fini de tourner tous mes plans. Très heureusement, parce que je suis frigorifiée.
Maintenant ça va être au tour de Louis. Il a 3 scènes à faire et on a terminé. On avance bien, je sais pas quelle heure il est là. 15h40, le soleil se couche dans à peu près 1h30, parce qu'en plus c'est couvert, il y a zéro soleil. Attends, ça va être à moi d'arroser Louis. Il va pas rigoler. Oh. Non. Là elle était un peu. C'est ici que je vais faire un premier rabat. Ben, on est prêt, nous, loulou, hein. Moi, je passe vers là, je pense. Ok. Petit chocolat chaud, petit apple pie d'hier. C'était largement nécessaire après toute cette humidité qu'on s'est reçue toute la journée et ce froid. Débrief-nous le quai. C'était bien. Non, on a tout tourné comme on voulait dans les temps. Mais par contre, c'était dur. Genre de tenir ce fin. Donc, je commence une phrase et je mange. De tenir sous la pluie là, sous l'eau mouillée là, glacée. C'était pas une partie de rigolade. Je pense que c'est de très très loin le clip le plus dur qu'on ait fait. C'est niveau froid, ouais. Ouais. Je crois qu'on ira où on avait... Il y a un moment où j'étais pas bien dans les monts d'Arrée. Mais alors. C'était pas le même genre de froid. On a vu quelques images vite fait et c'est vraiment canon. Normalement, on devrait recevoir peut-être les images ce soir. Trouette. Je pense qu'on va commencer le montage très vite parce qu'on a envie de le terminer cette année pour l'envoyer au KIF, c'est le concours de clip de Quimper. Et du coup, on a envie de participer cette année, mais il faut l'envoyer avant le 31 décembre. On sortira le clip à la rentrée début janvier. Une bombe de bain! Là, tu peux le dire, c'est bon. Base botanique. Faudra que je te donne les autres moitiés quand même. À la bergamote et à la bête genièvre. Au matin de ta vie sur la planète. Éblouis par le Dieu soleil. Bah c'était eu un peu quand même. Oh. Bah oui. Oh, y'a plus que 4 jours avant nos Noël. Va si c'est. On a oublié. C'est quoi? Ah, c'est ça. C'est une ceinture Reynx. Oui. C'est à mettre sur le ciré. Bah ça peut être mis avec tout ce que tu veux. Ça s'accessoirise avec ce que t'as envie. C'est trop bien. Tu peux mettre soit sur ton ciré. Des fois des trucs. Mais c'est une trop bonne idée pour cintrer le ciré Reynx. Tu mettais pas une ceinture par exemple sur ton kawaii? Si. Mais tu peux aussi mettre celle-là si tu veux changer. T'aimes bien? J'aime trop. Ça va, Johnny. Mais ça c'est un pull. J'attends, j'ai le ciré juste à côté, je sais le ciré. C'est là, tire ça à karatéka. Ceinture noire. Ah oui, c'est joli. C'est trop bien. C'est joli. Merci. Merde. Je voyais une grosse petite que je suis arrivée à faire tic-tic-tic-tic là. Pourquoi? Avec tes films. Non. Je me grattais l'œil, en fait. Ah, pour, parce que je chantais Feliz Navidad! Sensation! C'est très long à télécharger, on est con. C'est très long, on est con. Qu'est-ce que tu fais? Ça avance. Ça avance, ça avance. Je mets de côté les plans de tennis que je trouve sympas. On est presque au pont. Et après, il nous reste le dernier refrain. Plus que 3 jours avant d'en. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, un lutin décapsuleur! Il est stylé, hein? Oui. Mmh. Voilà, poil du truc. Oui. Tu m'étonnes, tu l'as mis en bas. Oui. Il aurait fait écrouler tout le truc. Où je le mets? Moi, je sais pas. Il est beau? Ouais, c'est pas mal. Ou alors là? Nickel. On va se regarder une fois le montage en entier pour être sûr que c'est bon et après on envoie ça à Stéphane pour qu'il puisse faire des petits effets spéciaux sur certains plans, notamment rajouter un tout petit peu de pluie sur certains plans où on voit pas bien la pluie, et ben on se le regarde. Je courrais à travers champs qui sont devenus les nouveaux lotissements. Je dis bonjour à tous ceux que je croise comme si je les connaissais vraiment. Je déménage à Paris, ça dure 3 mois. Merci, mais non. C'est nickel! C'est nickel! Un petit mot à ajouter. Je sais pas. Bah dis donc. Passionnant ton vlog.
Non, mais c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir avec un étalonnage qui va englober un peu le tout. La pluie sur les endroits où il n'y en a pas forcément, parce que là j'en ai mis une, mais elle est un peu. On voit qu'elle n'est pas très vraie, quoi. C'est quoi ce vent là? Pourquoi il y a la tempête? Il vient parce qu'il sait plus ce que c'est. Bah, je sais plus. Ouh! Ah, j'adore, j'avais vu! Des allumettes où tu peux faire foutre en dessous. Quand tu regardais sur le site, quand tu t'étais arrêté dessus, ça fait. Mais... Oh, des bottines avec des allumettes! Et du coup, quand j'avais vu, quand t'avais l'air enthousiaste, j'étais content. C'est trop bien! Tu dis aujourd'hui ce qu'il y a? Aujourd'hui, on enregistre une. C'est quoi ces cheveux? De qui? Toi. Ils ont quoi? Ils sont rigolos. Je les ai pas regardés en me levant. Ah oui. Aujourd'hui, on enregistre une guitare. Enfin, ouais. Mais non, mais on fait comme d'habitude, on va enregistrer. Mais t'as dit que le morceau était sorti? Oui, le morceau est sorti. On a sorti un morceau qui s'appelle Good In Goodbye avec Poilo et Atin et. Et Johan. Johan Gerber. Et le morceau est trop cool, de ouf. En plus, il y a des playlists de ouf dès le départ et tout. Et là, je vois que les gens écoutent en masse. Pour une première journée, c'est en train de... Donc, allez l'écouter vous aussi, ce morceau. Voilà, c'est une reprise de... Je la connaissais pas avant. Oula. De Madison Beer. Tu as arrêté de parler en même temps que je parle. C'est une reprise... Whenever, whenever. Whenever, whenever. Donc, c'est une reprise de Madison Beer. Allez... streamer ça sur Spotify. Et du coup, là, on va faire comme d'habitude la petite vidéo acoustique pour les réseaux sociaux qui s'enchaîne avec la version originale. Bon. Out now, 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 out now, now, now. Donc, j'ai enregistré la guitare et on va faire la petite vidéo. Tout simplement, en fait, j'aurais pu le dire en deux phrases. Ouais. Regardez mes belles chaussettes. On les voit là sur la caméra. J'avais pas rendu vos rapports, Razovski. Mais on les voit bien. On voit que c'est Razovski. Oui. Oh, je suis prêt. Je suis prête. Cause you're toxic, boy. I ain't even gonna try to find a G. Oh, oh, the end. Goodbye. How do you bleed? Boy, it's like treason how you're treating me. You put the over in lover, but the ex in next. And no, I in trouble just the year since we met. Cause you're toxic, boy, I ain't even gonna try to find a G. Oh, oh, the end, goodbye. C'est dur. Ok. Ça y est, j'ai fini d'enregistrer ma voix, je l'ai rajoutée sur la guitare de Louis et j'ai rajouté le tout sur la petite vidéo qu'on a faite il y a deux secondes. Je vais poster ça sur les réseaux et j'ai mis aussi forcément la petite transition avec l'électro comme on fait d'habitude. On a installé notre table de Noël. Oh là là, j'ai failli renverser la bougie. C'est beau. Il manque plus que les invités. Et après, on fait la fête! Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Les... Mais faut que tu les regardes quand tu dis. Bon, tant pis. Joyeux Noël, tout le monde! It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the ground that tell. One did a bark as well. It's the sturdy kind. That the night is now. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart.